Je ne sais pas trop si c'est elle ou Pepsi. Parfois, c'est Pepsi. Les enfants ont l'occasion de rencontrer des tas de gens intéressants. Et il nous a aussi emmenés dans des voyages vraiment exceptionnels. Et puis, il y a aussi son univers bien à lui. Je dis toujours que nous sommes en orbite autour de la planète Clark. C'est vrai. En fait, cette maison est toujours en mouvement. Et si vous y vivez, vous êtes vraiment dans un monde à part. Il n'arrêtait pas de tousser, vous savez. Je l'ai emmené en Angleterre pour faire des analyses. Et là, les docteurs lui ont dit qu'il avait la maladie de Lou Gehrig. Alors nous sommes immédiatement partis aux États-Unis, à l'hôpital John Hopkins. Arthur a fait d'autres analyses et nous étions très inquiets. Mais le docteur nous a finalement annoncé que ce n'était pas la maladie de Lou Gehrig, mais seulement des séquelles de la polio. Arthur était tellement heureux. Nous étions vraiment, vraiment très soulagés. Imaginez la joie pour un homme qui croit qu'il n'a plus que 2 ans à vivre et qui apprend soudain que c'est faux. Allez, ma petite Pepsi. Viens, viens, ma Pepsi, viens t'asseoir. Quel monde bizarre, hein, Pepsi. Tiens, regarde ça. Ça te plairait de mâchouiller la caméra, hein? Quand on me demande pourquoi j'habite au Sri Lanka, j'ai une réponse qui résume tout. 30 hivers anglais. Les Raméens ont délibérément créé ceci pour se défendre contre des créatures tout aussi féroces. En garde! Des créatures aussi vicieuses qu'eux. En garde. Ok, Miss Maquillage. Chez les effrayés ou intrigués, là, ou quoi? Cet avien, quelle créature merveilleuse! Oh.
Le crabe biote ramasse tous les objets qu'il assimile à des déchets. Rien ne reste sur le sol bien en vue très longtemps avec eux. Les crabes biotes ramassent tout ce qu'ils considèrent comme des déchets. Rien ne reste sur le sol et bien en vue très longtemps avec eux. Vous savez, rendez-vous avec Rama se termine par une phrase disant que les Raméens font toujours tout par trois. Beaucoup de gens ont alors pensé que j'avais déjà prévu une suite, mais j'ai refusé pendant des années. Je trouvais tout simplement que c'était une bonne conclusion pour mon livre, et j'avais décidé de ne jamais écrire une suite de Rendez-vous avec Rama. Et puis un jour, un type est arrivé avec deux ou trois bonnes idées en ingénierie, et j'ai réalisé que si je voulais approfondir la question, il fallait que je plonge, et qu'après tout, si les Raméens faisaient tout par trois, il pouvait y avoir deux autres livres, puisqu'il y en avait déjà un, et de plus, nous avions la matière. Et une chose en entraîne une autre, et une autre, et une autre, et ainsi de suite. Pas vrai? J'ai reçu une lettre de mon agent qui me disait qu'il connaissait quelqu'un qui avait de bonnes idées pour une histoire de science-fiction et qui aurait aimé travailler avec moi. J'ai refusé tout net, j'avais déjà bien trop d'idées à moi seul. Mais il a ensuite ajouté que cet homme participait au projet Galilée, la sonde spatiale qui allait être lancée vers Jupiter. Je m'intéressais évidemment beaucoup à Jupiter, car c'est sur cette planète que se passe la plus grande partie de l'action dans la série des Odyssées. Alors j'ai accepté de le rencontrer, ça ne pouvait pas me faire de mal de lui parler, et il pourrait peut-être même me donner des bonnes idées. J'ai appris une chose essentielle avec Arthur, la précision de la langue anglaise. J'ai le défaut d'être parfois un peu trop verbeux, et j'ai tendance à écrire 5 mots là où 2 ou 3 suffiraient. Certains diront même que je n'ai fait que me limiter à 4 mots et que j'en fais toujours trop. Mais c'était pour moi une expérience fantastique d'écrire avec quelqu'un qui manie la langue anglaise avec autant de pertinence. Oui, je ne sais pas trop ce que je dois en penser. En fait, une des critiques que je ferai au sujet de ces aventures interactives, c'est qu'elles s'éloignent un peu de l'œuvre de l'auteur. Vous imaginez Hamlet avec une fin heureuse? Mais c'est peut-être intéressant finalement. J'espère surtout que ce genre de choses éduquera le public, qu'elles lui feront prendre conscience, dans le cadre de la série Rama, de l'immensité de l'espace, du fait que nous ne sommes certainement pas seuls dans l'univers, qu'elles leur ouvriront l'esprit. C'est ce qui me plaît dans ce produit. Je suis farouchement opposé à toutes les formes de violence du style mort aux Martiens. En tout cas, si jamais il faut détruire quelque chose dans notre aventure, c'est que ça mérite d'être détruit. Dans le passé, non. Mais depuis que j'ai découvert cette extraordinaire fusion entre une histoire et un jeu, en tout cas, c'est ce que nous avons essayé de faire avec Rama, aucun des deux n'a pris le dessus. Un bon jeu, une bonne histoire, et le tout lié par un style littéraire. Je pense que j'écrirai la plupart de mes futurs romans en pensant à ce nouveau support qui permet de toucher beaucoup plus de gens. Encore une fois, comme l'a souligné Arthur, le principal intérêt de l'intégration de son œuvre de science-fiction dans ce jeu informatique, c'est que l'histoire sera ainsi accessible à un public beaucoup plus important qu'en étant limité au livre comme seul support. Je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il faut savoir que je n'avais jamais vu, à quelques rares exceptions près, ces nouveaux produits multimédia, ou le nom que vous voudrez. Et je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait représenter, mais j'étais très impressionné par ce que j'ai vu.
Je crois que je n'ai jamais pensé vraiment à devenir un jour un écrivain professionnel. J'écrivais dans le journal de mon lycée quand j'étais adolescent, mais uniquement pour le plaisir, et j'ai continué plus tard dans des magazines de science-fiction amateurs. Je gagnais quelques dollars par-ci, par-là, jusqu'au jour où j'ai trouvé du travail. Un très bon travail à l'Institution of Electrical Engineers. Je rédigeais des résumés scientifiques et je recevais les magazines spécialisés du monde entier. Mais j'écrivais toujours dès que j'avais du temps libre. Et mon salaire à l'Institut a fini par évoluer dans ce sens-là. Alors que mes revenus en tant qu'auteur de science-fiction augmentaient sans arrêt. Et j'ai démissionné au bout d'un certain temps, évidemment. On ne m'a pas fait le moindre problème. J'ai d'abord publié un certain nombre de romans chez un petit éditeur peu connu, notamment Les Sables de Mars et Prélude à l'espace. Mais je crois que mon premier vrai succès, c'est Childhood's End. Le roman avait été accepté par Ballantine, et il fut très bien accueilli par la critique, et même dans le New York Times. C'était mon premier succès commercial, mais surtout mon premier succès d'estime. Je sortais enfin du ghetto de la science-fiction. En fait, la science-fiction est le plus souvent une extrapolation des sciences connues, ou du moins des sciences plausibles. Je précise d'ailleurs que la science-fiction n'est pas une prédiction du futur, comme beaucoup de gens le pensent. Mais elle permet peut-être de prévoir ce que sera celui de la technologie, d'imaginer ce qu'entraîneraient des progrès dans certains domaines, ou si on découvrait de nouvelles disciplines scientifiques. Eh bien, si j'avais 50 ans de moins, je serais certainement du voyage. Je sais exactement ce que je ferais. J'aime bien les aviens, mais je me rendrai très vite compte qu'ils ne sont pas plus évolués que nous. Les arachnopieuvres me fascineraient. J'aimerais voir les couleurs ruisselantes de leur tête. J'essaierais d'apprendre leur langue pour leur parler. Je voudrais savoir d'où elles viennent, comprendre leur évolution, connaître leur histoire, le but de leur voyage, leur valeur morale. Voilà ce que j'aurais envie de faire. Et si j'étais le commandant de la mission, l'équipage aurait beaucoup de mal à m'empêcher de chercher toutes ces réponses. Il y a tant de choses à voir. En fait, on ne peut rien étudier de précis. On découvre sans arrêt de nouvelles merveilles, sans chercher quelque chose en particulier. Il y a partout de nouvelles choses que vous ne pourriez même pas imaginer. Je suis sûr que nous repartirons sur la Lune dès le début du siècle prochain, mais avec des engins spatiaux plus performants, plus sûrs et plus économiques. Mais la véritable aventure sera d'aller sur Mars, vers les années 2020, peut-être plus tard. Quand les voyages dans l'espace seront plus faciles, plus sûrs et moins chers, nous partirons inévitablement explorer les autres planètes. Il faudra attendre que la technologie progresse, mais nous partirons là-bas, que nous le voulions ou non. Nous avons eu récemment une excellente raison de penser aux voyages spatiaux. Le monde entier avait les yeux tournés vers Jupiter quand Shoemaker-Levy s'est écrasé à sa surface. Et nous savons que c'est déjà arrivé dans le passé, et de nombreuses fois dans l'histoire de l'humanité. Il y a 65 millions d'années, les dinosaures étaient peut-être déjà condamnés à l'extinction. Mais c'est un impact similaire qui les a détruits. Et comme disait mon ami Larry Niven, si les dinosaures ont disparu, c'est parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. J'ai bien peur qu'il soit un peu tard maintenant. Je ne supporte même plus les voyages en avion, j'ai peur. Mais pourquoi pas? Il faut très longtemps pour aller sur Mars. Entre 6 et 8 mois au minimum, non?
C'est ça, ouais. Je ne pense pas que je supporterai une telle aventure. Mais si une soucoupe volante atterrissait pour m'emmener vers Alpha du Centaure, là, ce serait une autre histoire. Je crois que la plupart des gens seront d'accord avec moi si je dis qu'il me semble inconcevable que nous soyons la seule forme de vie ou d'intelligence dans un univers aussi gigantesque. Je serais prêt à parier n'importe quoi qu'il existe quelque part dans les étoiles des créatures intelligentes qui nous contacteront. Il est même fort possible que des visiteurs de l'espace soient déjà venus sur Terre il y a très longtemps. Malheureusement, certains charlatans, que je ne nommerai pas pour éviter d'avoir leurs avocats sur le dos, ont publié des livres absurdes et frauduleux sur ce sujet, et qui ont empêché les vrais scientifiques et les chercheurs de se pencher sérieusement sur la question. Et je tiens d'ailleurs à être très clair sur un point. Je suis persuadé qu'il n'y a pas eu de contact avec des extraterrestres depuis plusieurs siècles. Il faut remonter beaucoup plus loin. Il est d'ailleurs parfaitement possible que ça arrive demain, mais je crois plutôt que ce sera dans 10 ans, voire dans un siècle. J'ai eu récemment l'honneur de parler à M. Turner et à M. Murdoch, mais séparément. Et j'ai soulevé ce point. J'ai mentionné que nos programmes de télévision pouvaient maintenant être captés dans une sphère qui pourrait mesurer une centaine d'années-lumière de diamètre, et que de nombreuses civilisations pourraient ainsi connaître notre existence et être au courant de nos crimes, de nos guerres et de nos atrocités. Une créature extraterrestre intelligente captant nos images ne pourrait pas distinguer la réalité de la fiction. J'en ai donc déduit qu'il n'existait pas de civilisation plus évoluée que la nôtre dans un rayon d'environ 50 années-lumière autour de la Terre. Sinon, leurs flics extraterrestres auraient déjà débarqué pour remettre de l'ordre, et on pourrait entendre leurs sirènes résonner sur les ondes. La grande question, c'est de savoir si nous sommes plus près des singes que des anges dans la hiérarchie de l'univers. Est-ce que les anges existent vraiment, ou y a-t-il des créatures qui s'en rapprochent quelque part dans l'espace? J'espère que j'aurai la réponse avant de mourir. On n'en sait rien. Peut-être qu'ils viendront nous voir, mais peut-être que c'est nous qui découvrirons leur existence demain ou dans 1000 ans. Même si on me surnomme souvent le père des communications par satellite, je préfère qu'on m'appelle le parrain. Les vrais pères, ce sont les ingénieurs qui ont mis leur carrière en jeu pour que tout cela puisse voir le jour. Les bouleversements des communications et les satellites ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres, ont profondément modifié notre société. Mais le plus important, à mon avis, c'est la transparence qui résulte de l'existence même des satellites. Aujourd'hui, on ne peut plus rien leur cacher. Ils voient tout, enfin presque tout. Et je pense que c'est une très bonne chose. Nous avons commencé à y réfléchir pendant les derniers mois de la guerre, avec les cadets de l'Association interplanétaire anglaise, qui avait été créée en 1933. Les projets de voyage vers la Lune avaient été suspendus pendant la guerre, et nous avons réfléchi pour savoir si les fusées ne pourraient pas servir à autre chose qu'à tuer des gens. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elles pourraient placer des satellites en orbite pour retransmettre des images télévisées ou d'autres données vers la Terre. J'ai noté mes idées sur 4 ou 5 pages qui ont été publiées, et c'est comme ça que tout a commencé. Ce ne sont que des spéculations, mais nous sommes peut-être sur le point de découvrir une nouvelle source d'énergie, sans aucune commune mesure avec celle que nous connaissons. En fait, même l'énergie atomique ou nucléaire serait insignifiante en comparaison. C'est ce qu'on appelle l'énergie du point zéro, ou les variations quantiques. L'espace que nous considérons comme un grand vide, le néant du cosmos, est en fait une masse d'énergie bouillonnante. Le prix Nobel Richard Feynman a trouvé une formule choc pour exprimer cette idée, en disant que l'énergie contenue dans un mètre cube d'espace
suffirait pour faire bouillir tous les océans de la planète. A priori, c'est un concept totalement fantaisiste, mais cette énergie a vraiment été détectée il y a plusieurs dizaines d'années par le docteur Casimir, un chercheur des laboratoires Philips. Il a pu détecter cette gigantesque source d'énergie au cours d'une expérience très simple. Si nous pouvions canaliser cette énergie et l'utiliser pour nos machines et d'autres engins comme des vaisseaux spatiaux, elle nous ouvrirait les portes de l'univers et nous disposerions d'une source d'énergie pratiquement infinie. Ce serait la fin de l'âge du pétrole, de l'uranium et aussi celle du nucléaire. Nos problèmes de pollution et d'augmentation du taux de gaz carbonique seraient résolus. Et cela changerait radicalement notre monde, peut-être bien plus que les événements majeurs de toute notre histoire depuis la découverte du feu. Je m'intéresse à l'énergie infinie. Avant, on disait fusion froide, mais c'est une expression aujourd'hui dépassée, et rien ne dit que c'est le résultat d'une fusion. Car si cette énergie existe, et j'en suis maintenant convaincu à 95%, l'univers sera enfin à notre portée, grâce à cette énergie indispensable et qui n'a aucune masse physique. Le problème des fusées et des autres types de propulsion, c'est qu'il faut une énorme quantité de carburant pour emporter une charge minuscule. Mais si cette énergie infinie existe, et qu'elle pourra, selon toute logique, nous fournir de nouveaux moyens de propulsion, nous pourrons alors explorer l'immensité de l'univers, à l'instar des navigateurs de l'Antiquité qui découvraient nos océans. Il est impossible d'éviter les lois de la dynamique thermique, tout se dégrade à la chaleur. Mais où partirait cette chaleur? Vers Vénus, cette question. 500 degrés à l'ombre. Mais je suis sûr qu'on trouvera une solution technologique à ce problème. « 2001 a été écrit à un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Il a été publié avant que le premier homme marche sur la Lune. En fait, même avant le premier vol autour de la Lune. Et il fallait bien sûr imaginer comment ça pouvait être. Dans l'ensemble, on s'en est assez bien sorti. Par contre, nous avions imaginé un relief beaucoup plus accidenté. Mais aujourd'hui, nous savons que la Lune est balayée par des tempêtes de sable et que sa surface est relativement lisse. C'est intéressant de savoir ce qui est vrai dans ce que j'ai imaginé et les points sur lesquels je me suis trompé. Qui aurait cru que Bell System ou la Paname pouvaient disparaître? Mais les hôtels Hilton sont toujours là, eux. Et il a fallu aussi imaginer à quoi pouvaient ressembler les lunes de Jupiter, qui n'étaient à l'époque que des points de lumière dans le plus puissant télescope. Et ce n'est bien sûr qu'après les missions Voyager que nous avons découvert les images fascinantes de Jupiter. Mais là encore, nous n'étions pas trop ridicules. Non, et tu t'en as même très bien sorti. Personne n'aurait pu imaginer Io. C'était stupéfiant. Aujourd'hui, je ne peux plus vraiment dire ce qui est venu de mes idées et ce qui est dû à Stanley, en dehors de quelques exceptions. Certains concepts de base provenaient de mes histoires, notamment de la Sentinelle, une nouvelle très courte sur la découverte de... comment dire, d'un système d'alarme placé sur la Lune par une race extraterrestre pour prévenir l'univers le jour où les hommes poseraient le pied dessus. Et cette idée a été prise relativement au sérieux. Certains ont même suggéré que de telles alarmes n'existaient peut-être pas sur la Lune, mais dans la ceinture d'astéroïdes, attendant l'arrivée de l'homme pour se déclencher. Ça, c'était mon idée. Pour le reste, nous avons imaginé beaucoup de choses. On se renvoyait nos trouvailles, un peu comme au ping-pong. Et 90% de ces idées étaient probablement mauvaises. Quant aux 10% qui ont survécu, la moitié doit venir de Stanley et l'autre de moi. Quand 2001 est sorti, en 1968, ça fait déjà plus de 25 ans, j'ai du mal à le croire. Tout le monde a pensé que c'était un désastre. Je me souviens que le jour de l'avant-première, à Washington, les responsables de la MGM disaient que Stanley Kubrick était fini.
Les premières critiques étaient assez réservées, voire même mauvaises. Mais ensuite, les journalistes sont allés revoir le film et ils ont changé d'avis, bien sûr. Mais il a fallu un certain temps, peut-être 2 semaines, avant que le bouche à oreille fonctionne. Mais au bout d'un mois, nous avons compris que nous avions fait un film exceptionnel. Voilà ce qui arrive quand j'éteins mon ordinateur. My mind is going.